Avertissement, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Salut les petits farfadets engoncés de cholestérol et qui bouffent du Danacol pour se donner bonne conscience. Danacol, tu chies vraiment dans la colle. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec émotion et raideur dans mon slip sur le premier album de l'araignée que j'ai acheté avec mon argent de poche et qui, pour une raison nostalgique, mais aussi artistique, est resté mon préféré. Ce n'est pas le premier album de l'araignée que j'ai lu, je sais pas pourquoi j'ai hésité, puisque mon premier album était l'araignée des Jeux Olympiques d'hiver, mais là, je digresse. Mais oui, mon premier album de l'araignée acheté avec mes petites mimines et mon argent de poche sur l'étal du marchand ambulant du marché, et ben c'est celui-là. Ah, nostalgie. Quand je tiens cet album entre mes doigts sensuels qui font fantasmer toutes les Géraldines au cul déshéritées, et que je songe au doux passé, je suis autant touché qu'un enfant de cœur au congrès du Vatican. Alors non, on ne dit pas un congrès du Vatican, pauvre bolos, mais concile. Un concile est la réunion d'hommes d'église qui se réunissent, comme par exemple pour définir le dogme. On pourrait citer le concile de Trente entre 1545 et 1563 qui... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Sorti lors du premier trimestre 1980, l'Infernal Equinox est une perle de la BD Marvel avec d'incroyables bastons et des personnages super emballants et avec des scénarios bien péchus, illustrés à merveille par celui dont je n'ose plus prononcer le nom sans déclencher le réveil des sales bébêtes qui pullulent sur ma chaîne. Mais trêve de bavardage et de flagonnerie oiseuse et plongeons-nous sans tarder dans ce merveilleux 8ème album de Lug. L'album de Lug, dont le gabarit est fort beau, isn't it, regroupe les Marvel Team-Up 59 et 62 sortis entre juillet et octobre 77. Tous sont l'œuvre magnifique de Chris Claremont, de John Byrne... John ! Et de David Hunt à l'ancrage, hein. Je rappelle que David Hunt n'est pas le frère d'Ellen Hunt. Et la première partie intitulée « Certains disent que l'araignée périra par le feu, d'autres par la glace » est tirée du Marvel Team-Up 59 où Spider-Man est associé au Yellow Jacket, dit en français « pourpoint jaune », un grand coup de chapeau à la traduction de Luke qui était en forme. En forme de quoi? Ça, je vous laisse seul juge de cette question sans réponse. Et pourpoint jaune, pour nos viewers, néophytes ou socialistes, n'est autre que l'ancien Ant-Man, mais aussi Giant-Man, voire même Goliath, alias Hank Pink, de son vrai nom, Michel Palourdio. Alors je sais que tu t'en bats les steaks ma gueule, mais j'ai fait des recherches sur ce titre qui m'interpellait, et j'ai découvert qu'il fait référence au titre de l'Avenger 61 de février 69, intitulé « Some say the world will end in fire, some say in ice ». Pronunciation is a bitch, bitch, bitch. Mais ce même titre est tiré du poème glacé du glaçant Robert Frost, comme dirait Emma, t'as compris la boutade ? Non. Dont le titre est Fire and Ice, publié en décembre 1920 dans le magazine Harper's. Joli. Et si tu te moques, t'arrêtes tout de suite, hein, parce que c'est le patron et c'est pas un con, tu sais. Merci Hans. J'aimerais aussi ajouter de façon aussi exquise qu'inintéressante que Claremont dédie ce numéro à Roy Thomas car la sortie de cet épisode correspond au 4e anniversaire où Thomas avait donné à Claremont sa première tâche d'écriture sur le Daredevil 102. Ta construction grammaticale est à la limite de l'acceptabilité, mec, hein. Spider-Man est bully par quelqu'un qui possède à la fois les pouvoirs de feu et de glace. Il est sauvé par pourpoint jaune et par la piquante guêpe, hein, The Wasp en anglais, qui veut dire white anglo-saxon protestant. N'importe quoi. Après avoir confirmé que ni Iceberg ni la torche humaine n'était là, Spider-Man se rend compte qu'il pourrait s'agir du méchant appelé Equinox. Ta gueule ! Alors non, rien à voir, là je parle du méchant Equinox sans eux à la fin. Et bordel, qu'est-ce que j'aime le design de ce méchant, c'est grâce à lui que j'ai inventé mon premier personnage de BD. On s'en fout. Et effectivement, c'est lui l'agresseur. Il est en fait une sorte d'enfant malade qui a été pris dans l'explosion du laboratoire de son père. Le personnage d'Equinox a déjà combattu la Torche Humaine et Iceberg dans le Marvel Team-Up numéro 23, que tu as pu voir ma gueule dans le Titan 22 en septembre 1979, et Spider-Man l'a également brièvement rencontré dans le Giant Size Spider-Man numéro 1 pour ceux que ça intéresse. C'est-à-dire personne. Une baston s'enchaîne donc entre la guêpe, Yellow Jacket et Speedy et Equinox, et l'épisode se termine dramatiquement avec la mort du Yellow Jacket. Spider-Man et la guêpe, qui à ce moment-là a le bourdon, finissent par combattre avec la mère d'Equinox, hein, qui est une femme d'une arrogance incroyable. Pour faire simple, elle a l'enveloppe timbrée, mais c'est de l'intérieur. J'ai pas compris. La baston les amène au Baxter Building, où comme par hasard, hein, comme par hasard, les 4 Fantastiques ne sont pas à la maison. Mais la guêpe utilise son autorisation d'Avenger pour entrer, hein, comme par hasard, hein, elle a une autorisation
d'animation, hein, comme par hasard. Et franchement, vous ne trouvez pas que le laser de sécurité des 4 Fantastiques ressemble étrangement au laser Kree qui tue Jean Grey dans le X-Men 137? Non. Bah c'est que t'as de la merde dans les yeux, toi. Hein. Durant ce combat, la guêpe fait preuve d'une force supplémentaire et de dards surpuissants assez inhabituels. Tel le chanteur Sting, on se pique de savoir pourquoi la guêpe possède de tels dards. Non. Bah si, quand même. Il s'avère que Yellow Jacket a augmenté ses propres niveaux de puissance et qu'il a également expérimenté secrètement des choses sur Janet. Oui, vous avez bien entendu, le mec bricole à ses heures perdues la constitution génétique de sa femme sans sa permission. Alors je sais bien que Janet et Hank sont loin d'avoir une relation normale, mais bon, c'est chelou, non, hein. Même en faisant abstraction de l'épisode violent de Hank où il cogne sa nana... C'est un sale con. Mais également l'épisode où il force Janet à l'épouser au milieu de sa première dépression nerveuse, eh bien le gazier expérimente sur eux-mêmes des trucs, parfois en secret comme le montre ce numéro. Ce couple est vraiment chelou. Bref, la mort de Yellow Jacket... Excusez-moi. Bref, la mort de Yellow Jacket déclenche des niveaux d'adrénaline dans la... Désolé. Bref, la mort de Yellow Jacket déclenche des niveaux d'adrénaline dans la guêpe qui active son augmentation de puissance. Et là, moi je dis attention, il s'agit d'un développement assez important pour la guêpe, dont les niveaux de puissance jusqu'alors étaient à peine qualifiés de nuisances susceptibles de faire pâlir les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi les ménagères, non ? C'est pas vrai ? Et là, paf ! En plein Marvel Team-Up, et non pas dans un épisode des Avengers, la jolie Janet est upgradée de ouf. Mais ne soyons pas surpris par la chose, malgré tout ce que l'on peut reprocher à Claremont, le gazier a toujours fait un travail louable en créant des personnages féminins forts et en mettant à jour les erreurs des personnages des années 60. Bref, au final, ils battent la femme Equinox et le Yellow Jacket, qui n'était pas mort, revient dans le dernier acte pour aider les deux autres. Un épisode agréable et spectaculaire en baston. Du moins dans l'original, car dans l'album de Lug, une fois de plus, la femme censure Kato Bolchevik est passée et a poussé à la censure des onomatopées, et croyez-moi que ça n'arrête pas. Les explosions n'explosent pas dans un vacarme de tous les diables, les coups surpuissants d'Equinox disparaissent chez Lug, les mouvements d'esquive sont justement évités par l'atelier de retouche de Lug, et les rayons ne crépitent pas. C'est abusé là, hein, comme disent les jeunes. Non mais ils disent plus ça, mec. Et l'album Lugien enchaîne avec les Marvel Team-Up 61 et 62, toujours réalisés par la même équipe. John ! John ! Ramez vos gueules, vous ! Au Baxter Building, Spider-Man ouvre accidentellement un compartiment qui stockait un appareil qui gardait le Super Skrull prisonnier dans une sorte de bâton totem à la con. Après le départ de Yellow Jacket et de la guêpe, le Super Skrull attaque l'araignée qui, dans une soirée, morfle vachement quand on y pense. Il se tape quand même Equinox et après le Super Skrull quand même. Rien que ça. Ça fait beaucoup là, non ? Non ! Speedy est sauvée par la torche humaine qui venait de rentrer. L'araignée est confuse, elle pensait qu'elle avait été attaquée par les 4 Fantastiques, mais la situation devient plus nette quand Johnny se rend compte que Speedy a dû ouvrir le compartiment où était enfermé le bâton renfermant le Super Skrull. Ils font équipe et ils se battent comme des gitans bourrés, mais ne font pas le poids face au Super Skrull. Vous noterez qu'il est plaisant de voir le gros Super Skrull représenté avec autant de force. On se rend compte très vite que le vilain Bolos recherche le cristal Kavourite caché à l'intérieur d'une statue d'argile. Et là, faut qu'on fasse un récapitulatif de cette intrigue parce qu'il y a de quoi être largué. Est-ce que tu es prêt, ma gueule ? Oui. Le Super Skrull a été piégé dans le bâton totem appelé le Dévoreur d'âmes. Ok, je suis. Et il a été piégé par Tigra dans le Marvel Chiller numéro 7. Elle a remis le totem au Fantastic Four dans le flashback représenté dans cet arc. D'accord. Mais échappé du totem, dans cet épisode, le Super Skrull veut forcément rentrer chez lui. Skrull, téléphone, maison. Et pour rentrer chez lui, il a besoin d'un appareil à énergie cristalline. Tu me suis toujours ? Oui. Ayant eu vent du cristal Kavourite détenu par Josiah Rubin, un antiquaire, il récupère le cristal. Avec, il va pouvoir ouvrir une porte le ramenant chez lui sur sa planète en créant une distorsion de l'espace. Alors il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la gangue de pierre, ce minéral, on en a déjà entendu parler puisque le samouraï d'argent a tenté de le voler. Vous savez, il était planqué dans une statue d'argile qui cachait justement ce cristal dans le Marvel Team-Up 57 que nous avons pu lire dans le Special Strange numéro 22. Ce pouvoir d'ouvrir les portes a d'ailleurs déjà été mis en évidence dans le Miss Marvel numéro 8, vu chez Haredi dans l'album numéro 3 appelé Cauchemar, avec Grotesque, hein, qui avait l'intention d'utiliser pour détruire la Terre. Bref, dans ce combat contre le Super Skrull, la torche se fait péter la rondelle et elle est grièvement blessée. Mais heureusement, Miss Marvel entre dans la mêlée pour empêcher le Skrull de faire ce qu'il veut. Et alors, vous me direz, pourquoi quelqu'un de sensé voudrait-il empêcher le départ du Super Skrull ? Bah, peut-être pour l'empêcher de revenir avec une armée de Skrull ou de Super Skrull. Ouais, c'est pas faux. Au final, Miss Marvel et Speedy réussiront à vaincre le Skrull et à l'empêcher de réaliser ses plans. Dans l'ensemble, c'est une aventure vraiment amusante, renforcée par les grandes compétences d'écriture de Claremont et l'excellent art de John Byrne. John !
D'ailleurs, la nichonesque Miss Marvel est intéressante dans cet arc en affichant une haine crie pour les Skrulls sur laquelle elle n'a vraiment aucun contrôle. Et le capitaine de police, Jean DeWolf, qui est apparu pour la première fois dans le Marvel Team Up 48 de Bill Mantlo, eh bien, il commence vraiment à devenir une femme importante dans l'intrigue, beaucoup plus qu'avant. Bref, vous l'aurez compris, c'est un excellent ouvrage que vous devez posséder dans votre collection au risque de passer pour un gros blaire. Comme Linda. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'avais envie de revenir de façon émue et humide sur cet album cossu d'un fort beau gabarit qui saura vous apporter joie, félicité et poire à lavement, qui donne une petite couleur tellement gaie à nos vies qui en ont bien besoin. Donne la colle, tu chies vraiment dans la colle. Ça ne coûte rien et ça ensoleille l'existence. Abonne-toi et laisse pause blow, tu connais les contingences de YouTube. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À très bientôt les gros. Jeanne ! Philippe ! Je sais où tu te caches ! Non, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.